Ah, c'est le petit matin, j'ai bien dormi. Alors, allons voir s'il y a du courrier. Oh, là, le soleil se lève. Ça a l'air plutôt paisible, plutôt calme. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce courrier? Heureusement, il y a encore des messagers qui arrivent à voyager dans le royaume. Allez, voyons ça. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Sur LD. Je sais que votre précédente campagne pour exterminer les zombies qui ont envahi notre monde a été un échec. Sans le soutien du roi Octave, sans votre armée, sans armée, votre quête était vouée à ne pas aboutir. Après avoir vécu tant de malheurs, la tragique mort de votre femme Esmeralda lors de la bataille de Kerdich, la perte de votre magasin d'émeraude, vous voilà désormais expédié hors de Karget. Effectivement. Tout cela à cause de l'arrogance et l'incompétence du roi Octave. Son impuissance à réagir a causé sa perte, et maintenant qu'il est mort, c'est l'anarchie au royaume. Ouah, il est mort! Tant mieux. Vous aviez raison, c'est bien la météorite que vous aviez vue ce soir-là qui est à l'origine de cette invasion. Elle a amené avec elle une épidémie qui transforme le peuple en zombie. Nous devons arrêter cela, c'est notre destinée. Nous ne pouvons pas laisser périr le peuple. C'est pourquoi je vous en conjure, reprenez les armes et rejoignez-moi à Karget. Désormais, je peux vous aider à lever une armée. Il n'y a plus aucun obstacle si ce n'est la peur que les soldats ont à partir affronter cette épidémie. Nous avons besoin que quelqu'un comme vous reprenne les rênes du combat. Reprenez courage et accomplissez enfin cette destinée que vous a prédit cette nuit-là, cette voix dans votre rêve. Julius. Ah, Julius, ouais. Votre ami qui compte sur vous. Octave est mort. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il laissait pourrir et mourir son peuple. Je peux pas laisser. Je peux pas laisser les gens. Regardez, il n'y a plus pratiquement plus personne. Je fais partie des derniers survivants. Il va falloir. Donc il y a encore une armée à. Il y a encore des gens à Kerguet. C'est vrai que maintenant que je n'y suis plus. Que je vis ici. Allez, je vais essayer de rejoindre effectivement Julius, voir ce qu'il en est, si on peut prendre une décision ensemble. Je vais m'équiper et je vais prendre le cheval et partir. Allez. Voilà, ça y est, maintenant que je suis équipé, je vais pouvoir aller récupérer mon cheval, alléluia, et partir à l'aventure. Repartir, essayons de rejoindre Karget. Allez, on ferme la maison, on ferme tout. Allez, on y va. Espérons qu'il n'y ait pas trop de zombies sur notre passage. Pourquoi tu veux pas? Ah, zombie! J'ai pas enlevé la laisse, évidemment. Heureusement, on peut se battre à cheval. Ils arrivent de partout, hein. Même les petits. Fini, oui. Alors attends, faut enlever la laisse, je pense. Voilà, ça y est, oui, je peux y aller. Ok, c'est parti. Donc on va rejoindre le village de... Enfin le village. On va essayer de rejoindre la ville de Karget, mais c'est pas tout de suite. On n'est pas arrivé. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans ce village. Allez, c'est parti. Alors, je vais consulter ma carte du royaume. Alors. Karget, déjà. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé. Il va falloir traverser, c'est ici. Par où va-t-on passer? Bah là, à droite. On va essayer de passer par ces chemins ici. Rejoindre ce chemin, cette route ici. On va passer à droite. Ok.
Alors, on va passer à travers les champs. Gardons bien l'épée en main. Allez, on va passer par là. J'espère qu'il va pouvoir grimper. On a trop l'habitude de ces zombies maintenant. Hop là, merci. Par ici. À travers la forêt. Je sais pas si Alléluia va aimer. Allez, on avance. Mais bon, on arrive à les éviter. Faut pas rester là. Oh, à travers la forêt, ça va être bizarre. Ça va être tendu de passer. Je suis en train de faire demi-tour. Heureusement, j'ai vraiment le mec qu'il faut. Là, je suis en train de remonter. Ah là là, je suis en train de me perdre. Non, pas une grotte. Voilà, c'est vrai que c'est toujours pénible de passer à cheval dans une forêt dense. Oh là 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 là. Pas une petite clairière là. On va passer en haut des arbres. Allons-y. Ah, on arrive bientôt à un passage. Allez, hop. Essayer de longer par là, on peut pas. J'ai pas trop l'habitude de cet endroit. Je n'y viens jamais. Est-ce qu'on pourra traverser ici à quai? Ah ben là. Ok, enfin au sec je veux dire. Il y a l'air d'avoir un passage ici. Ouais. Ok. On va essayer de rejoindre. Ouh. Target. Vraiment bon ici. Hein. Heureusement ça. L'épée est vraiment sympa. Voilà. Oh. Regardez-moi ça, si je dois vraiment faire quelque chose pour mon. Pour mon royaume. Je pense que pour la nuit on va aller se réfugier. La journée était longue. On va aller se réfugier chez notre ami ici. J'espère qu'il va nous offrir l'hospitalité. S'il est encore de ce monde, s'il est encore vivant, s'il y a encore quelqu'un qui habite dans ce. Dans cette maison. Voilà. On va essayer de se reposer un peu. Manger parce que de toute façon ouais le soleil je ne voyage pas trop de nuit parce que déjà que le jour c'est il y a des zombies encore partout alors la nuit c'est pire. Ouais, ce qu'on va faire c'est c'est un peu tendu ici. Oh là, regardez le monde ici. Bon, à cheval on peut se battre. Ma soif qui. Je commence à avoir soif. Et faim certainement. Donc, on va aller mettre Alléluia à l'abri. Où est-ce qu'on pourrait. Il n'y a pas un endroit ici. Parce que là, ils vont tuer mon cheval. Je veux pas qu'ils tuent mon cheval. Oh, ça va être la nuit. Qu'on va toute la nuit ou quoi? Allez. Un cœur de vie là, faut vraiment que je me repose. Allez, tant pis pour Alléluia. Moi je rentre. Essayer de me reposer. C'est une église. On va essayer de prier pour que notre voyage se passe bien, qu'on puisse rejoindre Target sans encombre. Alors déjà, il faut se rassasier. Thank you.
Voilà. Eh ben écoutez, quoi de mieux qu'une église que pour dormir. À l'abri, j'espère que un dieu nous surveille. On va se mettre notre sac de couchage ici. Et on va passer la nuit. Voilà. Je l'ai récupéré. Désolé, mais je vais prendre un peu de laine au cas où mon lit se casse. Ah. Je crois qu'on va pouvoir reprendre la route. Le soleil doit se lever. Allez. Allons voir s'il n'y a pas trop de... trop de pestiférés. Ça a l'air d'être... On les entend, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir trop de hordes. Mon cheval est toujours là. Alléluia. Pas de le dire. Allez. Allons-y. C'est par ici. Alors. Est-ce qu'on y arrivera ? Arriver ? Oui. Allez, on va essayer de récupérer. Sans trop se battre. Parce que le petit matin, se battre... Pouf. Voilà. Allez, à nous. Ok. Oh, on va prendre les chemins, je pense. Regardons la carte du royaume. Je crois qu'il faut prendre vers le sud. C'est ça, à gauche. Là, on va suivre les chemins. Ça semble être par ici. Voilà. Ce sera un peu plus dégagé, un peu plus sûr que par la forêt. On peut passer ici. On est obligé de contourner. À cheval. C'est pas prévu pour être à cheval ici. C'est pas grave, on passe ici. On va éviter les zombies. Allez, suivons la route. Oula. N'a pas aimé. On est obligé de passer par les chemins de traverse là parce que. Voilà, de toute façon on descend quand même. Ça va, il prend pas trop de dégâts. Hop là. Suivons la route. De toute façon. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai plus rien. Je n'ai plus mon magasin. Personne ne m'avait cru quand j'ai parlé de cette météorite. Le roi Octave surtout. Allez, essayez de sauter par ici, descendre. Allez, alléluia, vas-y. Fais que tu peux. Ce serait dommage de laisser ce merveilleux paysage à ces zombies. Quoi. Faut vraiment qu'on reprenne le dessus. Faut vraiment qu'on reforme une armée et que on trouve l'origine. Enfin, on sait l'origine. C'est la météorite. Mais qu'on trouve comment vaincre ces zombies. Non, et cette épidémie, en fait. C'est une épidémie. Bizarrement, quelques habitants sont immunisés. Moi, je sais que je le suis. J'ai jamais été infecté. Par contre, mes trois compagnons qui m'ont accompagné justement lorsque nous sommes partis essayer de trouver enfin à la météorite voir ce qui se passait, les trois compagnons ont péri, se sont transformés, j'ai dû les tuer.
Et ils sont peut-être parmi ces personnes ici. Parce qu'après, ils se sont réincarnés en zombies, malheureusement. Est-ce que je suis toujours sur la bonne route? Faut que je passe par ici. Ouais, on arrive à Kerguet. C'est bon, on aura fait un bon voyage. Sacré périple. Allons-y. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis contaminé. Je peux pas me battre face à tout ce monde. Heureusement, j'ai une épée magique. Mais je vais pas pouvoir résister. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas contaminé pourtant. Il n'y a pas l'air. Au secours! Est-ce que je vais réussir à survivre? Heureusement, j'ai appris à me battre. Mais sont tellement nombreux, heureusement que une seule fois on arrive à... J'ai l'impression d'être contaminé. Je comprends pas ce qu'il m'arrive. Alors attendez, j'ai des potions. Peut-être une potion de régénération. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il faudrait que je reprenne le cheval et qu'on parte d'ici. J'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Allez. Allez, alléluia, on est bientôt arrivé. Il faut qu'on se dépêche. J'allais voir si je trouve un guérisseur, voir ce qui se passe. Peut-être que je ne suis pas transformé en zombie, je ne sais pas. J'espère que je vais pas me transformer en zombie. Il faut que j'arrive vite. Parce que là, c'est pénible. Allez, nous voilà aux portes de Kerguet. Je vais aller me réfugier quelque part. Je vais faire appel. J'espère trouver quelqu'un qui m'aidera. Voilà les portes de la ville. On va pouvoir rentrer. Ça y est. Je sais pas si on sera plus en sécurité, mais... Je vais tout de suite aller m'allonger. Essayer de trouver un remède. Voilà, me mettre ici. Me reposer. C'était éreintant. Fatigant. Mais nous voilà à Kerguet. Essayons de trouver... Quel est le mal qui m'habite ?